Salut, salut, salut les gars, voilà, c'est tout du monde de Samospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, essayez de me donner un pouce bleu avant de pouvoir débuter. Voilà, donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bourse du Canada. C'est une bourse de l'université British Columbia. C'est une bourse qui vient chaque année, voilà. Et c'est une bourse qui est à prendre au sérieux parce que cette bourse, ça marche hyper, hyper, hyper bien. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, c'est très facile à postuler. Donc, essayez de postuler. Et je rappelle en même temps que cette bourse que je suis en train de montrer, c'est juste pour la licence. Voilà, donc c'est seulement ceux qui sont en licence qui peuvent postuler. Ça veut dire que seulement ceux qui quittent, qui viennent d'avoir le baccalauréat. Voilà. Mais je n'ai pas dit que si vous voulez postuler pour une licence et que vous avez un ancien baccalauréat, vous ne pouvez pas postuler. Vous pouvez postuler, mais seulement c'est pour la licence. Parce que c'est une bourse d'entrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous allez obtenir cette bourse-là, vous allez l'utiliser en même temps pour faire votre entrée là-bas au Canada. Donc, et cette bourse-là aussi, c'est une bourse qui est directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de postuler à la bourse. Une fois que vous finissez de faire votre admission, votre inscription, voilà, quand je dis admission, vous allez postuler en ligne. Une fois que vous finissez de postuler en ligne directement, ils vont vous envoyer un message entre février et mars, voilà, pour vous dire que vous avez eu l'admission et voici la bourse qui est associée à l'admission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres étudiants qui vont avoir comme ça des réductions qui partent de 30% jusqu'à 100%. Donc ça veut dire que en fait ces réductions-là vont dépendre de la qualité de vos dossiers. Donc pour ceux qui veulent vraiment postuler, vous n'êtes pas obligé de postuler à une bourse ici. Vous postulez juste pour avoir une admission. Donc celui qui va avoir l'admission signifie que cette personne-là ou bien cet étudiant-là sera ouvert aux bourses. À la bourse plutôt, voilà. Donc ici je vais essayer de mettre ça en français, comme ça vous allez voir quels sont les documents et puis quelle est la date limite pour pouvoir postuler à cette bourse là. Donc ici on vous dit quoi? C'est une bourse internationale d'entrée majeure. Donc ici c'est pour les étudiants qui vont utiliser cette bourse là pour faire leur entrée. Voilà, donc si l'université fait 15 000 dollars et que vous avez eu une bourse de 75%, voilà, vous allez vous retrouver avec 2 500 dollars ou bien 3 000 dollars pour pouvoir faire vos cours. Maintenant, ceux qui vont avoir cette bourse à 100%, ok, c'est une bonne chose. Voilà, vous allez l'avoir et vous allez étudier avec. Donc, les bourses internationales d'entrée majeure sont attribuées à des étudiants internationaux exceptionnels qui entrent dans des programmes de premier cycle. De premier cycle, c'est-à-dire la licence. Les étudiants reçoivent leur IMES. IMES, c'est la bourse. Lorsqu'ils entrent dans leur première année de l'université, et les bourses sont renouvelables jusqu'à 3 années. Donc ça veut dire que ici par exemple, comme ça vous allez faire 4 ans pour faire la licence, voilà. Et le nombre et le niveau de ces bourses attribuées chaque année varie en fonction des financements disponibles, voilà. Donc maintenant, une fois que on arrive là, quels sont maintenant les éléments d'admissibilité? Donc quand est-ce que on est admissible? Pour être considéré pour la bourse, vous devez d'abord avoir un diplôme de baccalauréat. C'est ce qui est noté ici. Soyez nouveau à l'UBC en entrant directement de l'école secondaire. Donc, vous devez être un nouveau bachelier. Voilà. Être un étudiant international qui étudiera à l'UBS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez postuler et vous allez avoir une admission. Voilà. Avant de pouvoir être reconnu pour la bourse. Je rappelle très bien. Vous n'êtes pas obligé de postuler à la bourse ici. Ici, c'est direct. Voilà. Donc, la date limite, c'est quoi? C'est le 15 janvier 2022. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, c'est le moment de le faire. Donc, ici, quand moi je vais essayer de postuler, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler pour que vous puissiez avoir et l'admission et la bourse. Donc, si vous voyez ici, comment s'inscrire. Si vous postulez à l'UBS avant le 15 janvier, vous serez automatiquement considéré pour la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, statut de la bourse, vous serez considéré pour cette bourse peu de temps après avoir reçu une offre d'admission. Donc, les décisions de bourse sont prises entre mi-mars et fin avril. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que vous allez recevoir votre admission, si vous remarquez bien, les résultats vont sortir peut-être en février-mars. Voilà. Et lorsque les résultats sortent en février-mars, vous allez voir sur votre titre d'admission
une réduction de bourse, ou bien une bourse totale, ou bien une bourse partielle. Voilà. Et avec cela, vous allez maintenant chercher à faire vos démarches pour le visa et aussi pour pouvoir y aller, pour aller y étudier. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple, c'est pas compliqué. Vous allez venir ici, vous allez faire apply, postuler à l'UBC, c'est pour postuler et avoir l'admission. Donc, quand vous allez cliquer là, vous allez voir que vous devez vous enregistrer sur le site pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir l'opportunité de faire quoi? De postuler. Donc, ici, la candidature en ligne universitaire est maintenant ouverte. Modification de votre candidature, si vous avez déjà soumis, ça non. Transfert, non. De retour à l'UBS, si vous avez déjà suivi des cours à l'UBC, non. Appliquer maintenant pour postuler à la plupart des autres établissements postsecondaires de la Colombie-Britannique, vous utiliserez le site web Education Planner BC. Créer un compte. Donc, on va créer d'abord un compte. Voilà. Et après avoir créé le compte maintenant, on va maintenant essayer de postuler pour l'admission et la bourse. Donc ici, on va cliquer sur postuler à l'UBS, à l'UBC, à Education Planner BC. Donc ici, ils vont nous renvoyer sur une plateforme où nous devons postuler, où nous devons nous enregistrer. Voilà. Avant de chercher à faire quoi? À postuler pour la bourse. Donc, c'est très important. Pour ceux qui veulent vraiment postuler, vous pouvez le faire sans problème. Ok. Donc ici, admission. Donc, vous voyez ici, on dit apply for admission. Donc ici, nous, on va d'abord s'enregistrer. Sign up for your education planning ICBC et login. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Donc, nous, on va d'abord s'enregistrer avant de pouvoir chercher à postuler. Voilà. Donc, pour s'enregistrer, je vais utiliser mon clavier virtuel. Voilà, pour ne pas que. Ok. Donc, je vais utiliser le clavier virtuel. Ici, on me dit le mail. Ici, donc, ici, on dit, ils ont mis en bas, email address, ils ont le on n'a pas encore, on n'a rien mis, donc, c'est pas un souci. Ok, donc, je mets ici mon mail. Ok, donc ici je confirme le mail. Je vais essayer de copier-coller pour voir si ça va marcher. Essayons de copier-coller. Dans les normes, si moi je fais mon site, voilà, le copier-coller ne doit pas passer parce que c'est un élément à vérifier. Donc, si ça passe, alors ok. Ok, maintenant en ce qui concerne le password pour ne pas trop durer avec ce password là, moi je vais choisir le password qu'ils ont donné ici. Voilà, mais avant de choisir cela, vous devez voir ici, on doit avoir un caractère minimal, une lettre majuscule et tout ça, et un nombre, au moins un nombre, au moins un caractère et tout ça. Donc vous devez bien vérifier ici parce que ici, c'est vraiment compliqué pour pouvoir trouver le mot de passe. Donc essayez de bien lire et ensuite vous allez trouver votre mot de passe. Donc une fois que je finis, j'arrive là, je clique sur ici. I have read and understand the statement about the authorization UBC, tout ça. Donc maintenant, on va que se créer account. Voilà. Ok, your account information has been emailed to. Ok, if you don't receive this email in next 5 minutes or 10, please check your junk or trash folder for the email from. Ok, donc si on vous dit que si vous ne recevez pas un mail dans 5 à 10 minutes, essayez de regarder dans votre spam. Voilà, ça peut se trouver là-bas. L'autre fois, j'avais déjà dit comment ça se passe pour le spam. Donc, regardez dans votre spam si vous ne voyez pas le message. Donc, nous, on va aller directement sur le compte pour pouvoir activer notre compte. Donc, on va aller directement pour aller voir le message qu'ils nous ont envoyé. Ainsi, on pourra confirmer et poursuivre.
Ok, donc on va essayer de voir si on a reçu un message. Ils ont dit 5 minutes, mais ici je crois qu'ils ont envoyé un peu rapidement, donc je crois que c'est ce qu'il y a là. Voilà, donc ok, c'est ce qu'il y a là. Hello, gna gna, please click confirmation button. Donc ici, vous allez cliquer sur confirmation pour confirmer votre email. Donc je clique sur confirmation, ça me renvoie directement sur le site où il y aura mes coordonnées afin de pouvoir postuler pour l'admission. Donc ici on verra, voilà, je crois que ça va maintenant. On me dit que j'ai confirmé et tout ça, voilà. Donc maintenant on va essayer de d'aller sur le compte. Donc je vais cliquer sur login to account, voilà. S'il ne mémorise pas le mot de passe, ça va être un peu compliqué pour moi parce que le mot de passe, je ne peux pas retenir ce mot de passe parce que c'est un mot de passe que j'ai pris sur le site. Donc je vais aller là-bas pour voir si ils ont essayé de garder mon mot de passe. Vous voyez ici, il n'y a pas de mot de passe. Voilà. Donc je vais repartir ici. Ok. Donc je mets mon mail et le mot de passe n'y est pas, vous comprenez? Donc ok, il n'y a pas de problème, je vais essayer de rectifier cela et on va pouvoir continuer. Donc c'était juste ça. Maintenant on va essayer de postuler pour avoir l'admission et être considéré pour la bourse. Donc je reprends et je fais une seconde vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on postule pour l'admission et comment est-ce qu'on reçoit la bourse. Et les gars, c'était moi le Samospita et à tout à l'heure.